depuis 1987 que ces centres existent ici au Mali. On a signé un accord avec le gouvernement malien. Donc on a plusieurs chercheurs de nationalités différentes qui sont ici. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir et peut-être profiter de votre présence ici pour vous montrer quelques facilités qu'on a ici. Mais surtout, c'est en septembre-octobre qu'on organise des journées portes ouvertes. Parce que c'est en ce moment où on a nos cultures du sorgho, du petit mil et de l'arachide sur le terrain. Donc j'espère que vous ayez le temps de revenir en octobre, septembre, pour voir ce qu'on a sur le terrain. Le nouveau projet PESOL cherche à appuyer le gouvernement du Mali dans ses efforts. Ainsi, le projet vise à améliorer la durabilité et la résilience de l'agriculture pluviale familiale qui est particulièrement affectée par le changement climatique. Cela à travers la promotion de l'utilisation responsable des sols et des ressources en eau basées sur les principes de l'agroécologie et de la conservation. Mesdames et messieurs, le PAESOL était le fruit des négociations intergouvernementales de mars 2021 sur la coopération au développement entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la République fédérale d'Allemagne. Il fait partie de l'initiative spéciale « Un seul monde sans fin » du ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne. Il contribue à la transformation structurelle des chaînes de valeur agricole pour une croissance inclusive et durable, telle qu'exprimée dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, 2019-2023. En outre, le PAESOL contribue à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales au Mali, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance économique inclusive qui tient compte de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le PAESOL est prévu pour une durée d'exécution de 5 ans. Il est financé à hauteur de 16,35 millions d'euros, soit 10,7 milliards de francs CFA, dont 15 millions d'euros, soit 9,8 milliards de francs CFA, par la KfW à titre d'apport financier. La contribution de l'État malien et des bénéficiaires est de 1,35 millions d'euros, soit environ 885 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans une approche ouverte, intégrée et participative à toute innovation technique et nouvelles pratiques pouvant améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, dont près de 120 000 personnes à travers les centres de Kai, Yelimani, Kolokani, Koulikoro, Kadjolo et Sikasso. Mon département reste conscient des défis majeurs liés au changement climatique et ne ménagera aucun effort pour la réussite de la transition écologique que promeut le PAESOL. À travers ce projet, notre ambition est de faire du Mali le leader de ce nouveau modèle agroécologique, car il existe de la diversité dans les systèmes de culture, la potentialité dans la recherche et la capacité des agriculteurs. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements aux partenaires au développement pour leur appui constant au développement économique et social du Mali et particulièrement à l'épanouissement du secteur du développement rural. Sur ces mots d'espoir, je déclare officiellement lancé le programme de promotion des systèmes de culture agroécologique